עונים על חזון עבדיה, ימידי לו רב, מותר לעשן סיגריות קודם שנטל ידיו שחרית, וכן הוא הדין שמותר להדיח טבק, להריח טבק, הרעה קודם נטילת ידיו שחרית, בכל שכן שמותר באלו קודם שנטל ידיו מבית הכיסא או מבית הגברות, ואין לחוש למי שמחמיר בזה, כן? על המנוע, זה צריך... La première chose qu'on doit faire, c'est moderniser les fanéra. Même que les mains, elles sont euh, pas propres de la nuit. Alors, on a dit déjà, il y a, des, il y a... pas rien que les mains qui ne sont pas propres. Et là, il y a aussi Mishumbraha, le mauvais esprit. Mais ce n'est pas le seul, la seule raison qu'on doit faire le netilat yadayim le matin avec Braha. Il y a d'autres raisons. On a dit, à cause de Nekiyut. Les ça veut dire que les mains sont sales. On a touché de partout dans la nuit. Il y a aussi parce qu'on est une nouvelle euh, nous a créé de nous, à nouvelle. On fait la nettiez avec bracha, créer Hachma et la Tfilah. Et il y a aussi une raison. On a dit que c'est à cause du mauvais esprit. Alors maintenant, dans cette raison là, si maintenant on peut faire des choses comme toucher les habits par exemple, toucher les yeux, le nez. Ça c'est sûr que de toucher les yeux, le nez, le, la, la, la bouche, les oreilles, devant, derrière et tout cela, ça c'est pas bien avant de faire la nettila Comme l'a dit la Gemara, okay, c'est mieux qu'un homme, lui, on lui coupe les mains. C'est-à-dire que lui il demande comme ça, que euh, il fait la nettila, qu'il il il touche quelque chose, ou il touche les endroits. Sans d'âme, à tel point que c'est très 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 grave Ken, de utiliser les choses, de toucher des endroits que c'est euh, que c'est ouvert, comme les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, devant, derrière, en bas. C'est pour cela qu'on faire très très attention. Est-ce que est-ce que maintenant un homme il prend une cigarette, il touche pas sa bouche, c'est moutarde, c'est assourd il dit le rab c'est mouta et même d'y prendre du tabac quelqu'un qui prend du tabac ken aussi c'est mouta mais d'ailleurs que celui-là qu'il celui peut s'empêcher ken avant de prendre le tabac de faire tout de suite la nettiez ça c'est mieux ah ben, il dit le rab c'est mouta a plus forte raison si maintenant que quelqu'un il est rentré aux toilettes que la a à mauvais esprit il est moins fort que le mauvais esprit de la nuit il y a plus forte raison que quelqu'un qui va dormir après le milieu de la nuit, alors là, mes esprits, il est moins fort. daim, daim, et et maintenant nous, qu'est-ce qu'on a On a un kior, kior ça veut dire le lavabo. La halakha, elle est en général qu'on fait l'Intilia daim avec le kili dans une bassine. Et de faire très attention de ne pas jeter maintenant l'eau qui reste, Okay. Rien que dans les toilettes, par exemple, et tirer la chasse. Ah bah, de faire la netilatze d'aim dans le lavabo, ça c'est une question. Pourquoi? Parce que l'eau il, où, il, où elle y va, cette eau-là. Alors de nos jours, puisque maintenant l'eau, il y a le, le tuyau et ça va directement où il y a les toilettes. Alors là, on peut faire la netilatze d'aim okay, dans le lavabo. Rien qu'il faut faire très attention qu'il n'y a pas d'ustensiles ça okay. Et celui-là que lui qui quand même il fait la netty avec euh, le lavabo avec euh, le, le, une bassine, une bassine, faire très très attention de le jeter dans la, dans, dans, dans les toilettes et de tirer la chasse parce que c'est très dangereux de cela. Okay. quelqu'un que qui veut utiliser maintenant cette bassine là, il la rince avant. Mutala, son les les on va gérer tout cela maintenant. Est-ce qu'on peut faire le dans les toilettes ou faire le excusez-moi, dans un endroit où on se douche, dans une salle de bain ou dans une salle de bain où il y a les toilettes, salle de bain sans les toilettes. Tout ça, c'est pris en considération. Les attachés, comme il y en a, qu'est-ce qu'ils font Ils font le dedans. Et ils font la bracha dehors. Okay. Ça, c'est des questions. Il nous dit, le rabb, c'est moutard de faire la netilatia daim pour la tfila et la dans où il y a la douche. Où on se douche. Ce n'est pas considéré la douche comme la douche publique. La douche publique, les ont été ont Ils ont tranché qu'on n'a pas le droit de, 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 de parler vrai kodesh et de se laver les, les mains là-bas et là on sort dehors et on fait la Mais par contre dans les, les douches de nos jours on peut. Il va on peut faire la bracha dehors. et puisque maintenant les mains ils sont ils sont mouillés okay quand lui maintenant il sort dehors avec les mains qui sont déjà mouillées et mouillées, bien bien mouillées alors c'est considéré comme maintenant tu as fait la nuit dehors parce que sauf sauf c'est beaucoup mouillé mais si par contre il y a les toilettes il y a des, des, des douches, il y a des toilettes mais là c'est un autre dîme là l'Acha est autre. il n'est pas comme si quelqu'un il a une douche s'il y a des toilettes, seulement s'il n'y a pas d'autre endroit de faire la daim. On parle de netilaté daim, c'est Ouda. Netilaté daim le matin, hein bah on peut faire là -bas, la netilaté là-bas et ne pas faire la bracha. On fait la daim en général. On, la première netilaté daim, c'est sans bracha. Pourquoi okay. Oui, oui Lazare. je sais que tu, euh, tu me regardes un peu. Comment c'est possible une chose pareille La première netilat quand on se lève, on la fait sans bracha. Pourquoi parce que tu as besoin d'y aller aux toilettes. Et comment tu dois maintenant prononcer le nom d'Akadoshva Oru Non, mais oh, pas aux toilettes, pardon. Si maintenant tu vas aller à la toilette avant, ça veut dire que tu vas toucher maintenant des endroits que, que euh, sans faire la netil d'aïe. Ça, c'est le problème. Il nous a dit le rap. Non, mais, là, il y a écrit dans le. Non, justement il y a besoin d'aller aux toilettes parce qu'il y a gens qui. S'il y a urgent. C'est pas ça, d'accord Et alors maintenant, si maintenant tu vas y aller vite aux toilettes avant, et là, tu rentres dans les discussions après. Je, maintenant, tu dois maintenant t'habiller encore une autre fois. Bien. Alors, quand tu vas faire avec la bracha Tu vas y aller avec tes connaissances, non Comment Il faut que tu t'habilles, non Tu vas t'habiller, et tu vas et tu t'habilles. Alors maintenant, quand maintenant tu fais l'initiativa et l'initiativa, tu fais la bracha dehors Okay. Tu vas faire la bracha mm. Mais non, qu'est-ce que tu vas faire Tu dois faire dans tous les brachot Tu dois prier hein mm. Tu vas mm. te dans des mm. problèmes. En général, c'est comme ça qu'il faut faire. Et ça, c'est mm. mieux. Je vais, je vais vous dire pourquoi. La première nétila qu'on fait, c'est la nétila tiadaim sans bracha. On peut faire dans les toilettes où il y a le lavabo là-bas, on peut faire là six fois, droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Et après, on s'habille. On... Celui-là qui se douche, il se douche. Celui-là qui se lave, il se lave. Et après, il fait les toilettes. Il va aux toilettes, il va les petits besoins, va gros besoins. Et après qu'il a fini tout cela, il peut refaire la Il doit refaire la dadaïm avec bracha, en dehors des toilettes. Bien dans le lavabo, par exemple, il s'essuie les mains et là, il commence à faire de la, 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 la tfila. Là, cette netilat yadayim que tu fais, ça, pourquoi, on fait pourquoi on fait la netilat yadayim Pourquoi on fait la bracha netilat yadayim Il y a quatre raisons. D'après le rose, d'après le rajbat, d'après le zoar, d'après certains, dans la comme les kohanim, on doit faire la Vodat Hashem, on doit faire la Netilat daim comme les des raisons, une des raisons, c'est ça la raison principale, c'est pour ça qu'on fait la Bracha. Et on ne fait pas la Bracha si c'était la raison, pour, pour, parce qu'il y a Mishum à cause du mauvais esprit. Là, les ils n'ont pas institué la Bracha à Netilat parce qu'à cause de mauvais esprit. Les ils ont institué la Bracha pourquoi? Pour kriachma et la c'est Pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est bien, c'est conseillé. De quand on se lève le en premier, en général, en général, on doit y aller aux toilettes. Et alors, tu fais la, neti la sans bracha, tu vas aux toilettes, petit besoin, gros besoin, tu t'habilles. Après que c'est bien, tu es prêt pour y aller à la tu fais la netilat avec bracha. Et là directement tu vas tu vas faire la filet tu vas faire kashmir tefila ça c'est mieux ah ben la non comme maintenant lui maintenant et laza il a demandé il a dit maintenant je vais tout de suite quand, dès que je me lève qu'est-ce que je vais faire je vais aux toilettes c'est dommage parce que tu vas toucher en bas tu vas c'est pas trop correct c'est pas trop bien quand tes mains ils sont euh, euh, sales au niveau de pareil que ça, la saleté au niveau de le Roi Ra, les mauvais esprits. Ça, c'est pas bien. Comment l'a dit la Gemara C'est-à-dire qu'un homme qui touche en bas, devant ou derrière, on lui coupe la main. S'il touche dans son oreille, on lui coupe la main. La Gemara, elle pose la question, elle dit, comment c'est possible Quoi, on va lui couper la main Il n'a plus de main à la fin, Eh ben non. Il dit, Raoulo c'était ah, pour lui qu'on lui coupe la main. C'est-à-dire, pour lui, c'était mieux qu'on lui coupe la main que si maintenant il va toucher les endroits, parce que c'est dangereux, c'est pas évident. Les gens, ils disent voilà, je touche les mains, voilà, de nos jours. L'esprit, elle n'est pas comme avant. Fort, fort. Aujourd'hui, l'esprit, elle est moins forte. Il y a plus forte raison si quelqu'un, lui, il, va, il a été dormir après minuit. Minuit, pas, on ne dit pas comme minuit, minuit, c'est mais, mais, 12. Mais minuit, aujourd'hui, chez nous, on est resté, par exemple, c'est comme. Euh, 11h30, ça c'est minuit. Alors, quelqu'un qui va dormir après minuit, 11h30, alors la Rouaha, les mauvais esprits, les moins fortes. D'accord Mais quand même, mais quand même. Comme il dit, il va rentrer Un homme que lui qui rentre aux toilettes, par exemple, où il se trouve, il se touche dans des endroits qu'on est obligé de faire la Netilat ou par exemple de se laver les mains. C'est pareil que de faire la Netilat avec le Kelly, il a de se laver les mains comme il y a sept choses qu'on doit obliger, obliger de, se, de se laver les mains, okay. quand on fait un a un homme qui a touché une, une poule par exemple, okay. euh, un homme que lui qui s'est touché le corps de dedans, tout cela, il doit faire l'anethiatia daim, il doit se laver les mains, pourquoi c'est sale, et il dit là-bas, si c'est un tamid khakham, si un homme, lui, qui n'a pas fait la là il et a, il a transgressé les sept choses, et aussi, par exemple, le, le cas de le matin. si c'est un Tamitracham, donc celui qui étudie la Torah à plein temps, eh bien, il oublie son, son limoud. C'est comme il est Il oublie son limoud. Mais si c'est un homme que lui qui n'étudie pas la Torah, eh bien, chez Mishmort, il peut perdre la tête. Il y a des gens qui posent des questions, de comment, pourquoi ils sont angoissés par là, pourquoi... Et beaucoup de questions, d'accord Pourquoi tu ne fais pas la Netilat comme il faut c'est fondamental. Quand tu sors des toilettes, tu n'es pas obligé maintenant de faire l'intiat de avec le Kelly. C'est bien de faire six fois avec le robinet. À droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, sans Kelly. Un homme que lui qui l'a avec Kelly, il fait avec le Kelly. Si tu ne dépêches pas, tu ne vas pas être en retard. Le matin, quand tu te lèves, la première chose que tu fais, même c'est bien, c'est conseillé. Avant que tu touches tes habits, fais le netilaté d'âme avec le Kelly. Ça, c'est conseillé. Maintenant, chendaramantia she'en, chambet kise. Chendaramantia, ça veut dire là-bas, où on se douche, là-bas. Okay? Qu'il n'y a pas les toilettes. Et là-bas, il là y et là-bas, il y a un robinet qu'on peut se doucher, on peut se... On peut se laver. Mouta, le khatri, là-bas, on peut faire l'anuttiatzedaim a priori. Même le matin, et même si Shachrit. Je veux tu veux manger du pain, je peux faire l'anuttiatzedaim là-bas, et après tu sors et tu fais la bracha et tu t'essuies. filou qui Même si maintenant, par exemple, bet meirchatz. ça veut dire où on se lavait avant public. Là, Shacharim, ils ont institué de paf. Parler là-bas, dit Bretora, seulement si le camarade pose la question, il dit comme ça, tu vois que le a parlé, le rabbin aussi, il a parlé, La question, aussi, il a est à ses quand il fait un Issour là-bas, tu peux lui parler, tu peux lui dire, Assour, qu'est-ce que tu fais Bon, il faut, de nos jours, il faut en premier que le bonhomme, lui, il est sûr et certain que c'est un Issour, qu'est-ce qu'il fait, d'accord Parce qu'en général, il y a beaucoup de choses que c'est n'est pas Assour. Parce qu'il a entendu, ou on, il sait où son grand-père, ou son, grand son arrière-grand-père, il a dit quelque chose. Et lui, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Il dit que c'est assourd. En fin de compte, des fois, c'est même pas assourd. Il faut être clair en premier. On parle de quoi Quand, maintenant, c'est la, la douche publique. Quand c'est la douche publique, c'est comme les toilettes. C'est pour cela que là-bas, il faut... On n'a pas le droit de faire le Nettila... Et la rein en dehors, du Bretora aussi, etc. Si maintenant déjà dans les poskim, dans le Talmud, que déjà ils ont dit qu'il n'y a pas roi là-bas, dans les, les douches publiques. Et là, pourquoi ils ont institué cela Pourquoi Parce que là-bas c'est sale. Puisque c'est sale. Alors, ils ont institué à de ne pas faire l'entila dedans et là-dehors, pas d'hybride Torah, etc. Une forte raison aussi maintenant, c'est dans, dans les douches de nos jours, chez nous à la maison, c'est que c'est propre, des fois, en général, c'est pour cela, un homme il peut faire l'entila d'yadahim là-bas, et même l'entila d'yadahim de la Séouda, mais la bracha à l'extérieur. k'edou magam chez Neder en bata merkhat arverak les résa là j'ai mis tamchim aussi il y a plusieurs raison il dit le rave que en général dans les où on se douche il y en a qui mettent la bas et brossent à les mamans les... c'est comme c'est comme une chambre c'est une chambre c'est mais là c'est pas le même digne de de bata merkhat de, de douches publiques okay. ומניחים שם דברים נשמרת, לפיכך אין עליו תורת בית מרחץ ומוטל ליטול ידיים בתוכו וכן הסכימו רוב האחרונים, מכל מקום לא יברך, כן, (אומר בערבית: ומתרגם את דבריו 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 ומתרגם Dans, le, dans la cuisine, ça c'est mieux, ok? On parle pas maintenant de netiades daim de chakrit. Si maintenant il n'y a pas des ustensiles, tu peux faire une de daim même dans le dans le dans la cuisine. Ah bah, si c'est proche, il faut que l'essentiel il est de ne pas faire des, des, des grands pas de, de y aller par exemple l'autre bout de la maison pour faire une de daim. Si tu peux il y en a des chassidim en Shema, c'est pas chassidim mais Kavanah les chassidoutes, à Kavanah d'être pieux, il veut être pieux, de faire un diaté dame à côté de ses, ses, son, son lit. C'est bien, à autre part, il y a aussi, par exemple a des petits-enfants, et si maintenant le bonhomme lui va être feignant il va, il va laisser maintenant sa gamelle là maintenant par terre, et puis les, les, les gens, et Ken, ils vont... Ou même lui, il va passer et tout cela, ça va rester pendant un jour, deux jours comme ça. Et c'est mieux, c'est mieux de faire un dieu dans le lavabo, dans les toilettes, que de laisser là-bas par terre, etc., etc. Razakobo.